Célèbre invité de l'ancienne émission Nomukurai de la radio publique africaine comme thérapeute de couple, Reynolds Boutali se plaît à entreprendre dans différents domaines. Animateur de soirée, créateur de Green Express, Boutali ne cesse d'entreprendre. Né à Rohiro, Reynolds est deuxième d'une famille de quatre enfants. Il est élevé par des parents intellectuels en commune Kinindo. Je suis papa d'un petit garçon de trois ans. Je vis à Kinindo, à Bujumbura, où j'exerce en tant que thérapeute de couple. Et j'ai des petits business à côté que je fais, notamment la livraison des fleurs et l'organisation des soirées qu'on appelle Love Event. Très jeune, Reynolds est intrigué par l'opulence d'un de ses voisins. À un moment donné, je me suis rendu compte que... Mes parents étaient tous fonctionnaires. Mon père était dans l'armée, ma mère travaillait pour la Banque mondiale. Je me suis rendu compte que notre voisin, qui était probablement le plus riche du quartier, n'avait même pas fait l'école secondaire. Et je me suis rendu compte qu'il était le, le plus nanti, si on peut dire. Il pouvait payer les études à ses enfants, à l'école internationale, à l'école belge, et, et son niveau de vie ne dépendait de personne. Donc à ce moment-là, je me suis dit, oui, les études, c'est bien mais l'entrepreneuriat, c'est mieux. à 16 ans, il se lance des gens en affaires. la couture et l'exportation de chemises en coton fut son premier deal. ma première idée d'entreprise, c'était avec effectivement une personne qui travaillait pour la banque mondiale. c'était euh, un consultant qui, qui résidait à washington, mais qui avait son fils qui qui étudiait à, à Miami. J'avais 16 ans, je ne peux pas oublier cette aventure. Je me suis mis à coudre des chemises. J'achetais des pagnes au marché. Je les faisais coudre chez des artisans. Et euh, je me suis mis à coudre des chemises euh, coton 100% pur qu'on vendait dans une université de Miami, que je n'avais jamais vue. Suite à la fermeture en avril de Mediaprint, une entreprise d'impression, Reynolds innove dans la livraison des fleurs en créant Green Express. Et après Mediaprint, comme il n'y avait plus de revenus, les thérapies n'étaient pas rentables. Mais je m'étais rendu compte que, avec les enterrements, avec les, les anniversaires, les baptêmes, tout ça, j'ai eu l'idée de, de faire une entreprise de livraison de fleurs. Puis j'ai réfléchi, par rapport aux thérapies et tout ça, à chaque fois que mes clients se disputaient, je disais au, au, au partenaire masculin, au, au mec, quoi, je lui disais, tu ne pourrais pas faire livrer des, des fleurs à ta femme Et à chaque fois, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de livreur de fleurs au Burundi. Puis je devais lui dire, bon, écoute, fais un effort, va, va toi-même acheter des fleurs, va toi-même livrer. Et à ce moment-là, je me suis dit, comme il n'y a personne qui l'a fait, moi, je vais le faire. Battant. C'est l'adjectif qu'utilise l'un des amis d'enfance de Reynolds pour relater son courage. C'est un homme d'un grand optimiste, donc quand il a, il a déjà conçu une idée dans sa tête, peu importe les obstacles, il fonce, c'est plus un fonceur, voilà. Carlen, une des bénéficiaires des services de Green Express, s'en réjouit. Ils sont efficaces et aussi euh, ils ont beaucoup d'innovation mm -hmm. parce que, on a beaucoup de maisons qui livrent des fleurs. Euh, ces maisons-là, on doit d'abord aller les chercher dans cette maison. Mais eux, ils livrent ça à domicile. Prinold nourrit plusieurs ambitions, entre autres un projet d'encadrement de jeunes et de faire de Green Express une entreprise qui recevra 50 commandes de bouquets de fleurs par jour d'ici trois ans.